ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir, ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guylain, vous allez travailler avec moi, j'ai besoin de vous.